Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu peut acclamer son Père ce matin pour ce qu'il a fait pour lui. Alléluia. Il faut qu'il sonne dans ton acclamation un enfant reconnaissant, un enfant qui est plein d'amour, un enfant qui apprécie à sa juste valeur ce qu'il fait pour lui. Est-ce que quelqu'un peut ajouter à ces acclamations des cris de victoire et de joie pour démontrer l'amour de Dieu? Alléluia! Que le Seigneur te bénisse ce matin. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je ne peux pas prendre la parole sans d'abord dire merci à Dieu, à l'ange de la maison, à celui que Dieu a établi sur cette œuvre, qui est le conducteur, celui à qui Dieu donne la révélation pour conduire son peuple en la personne de notre papa, le révérend Dibi Kokora, que je voudrais qu'on acclame fortement ici. Acclame fortement le Seigneur pour sa vie. Et je sais que si il est arrivé à ce niveau, c'est vrai, il y a le Seigneur, mais il y a aussi la personne que Dieu a mis auprès de lui, qui est notre maman adorée, pleine d'amour. Nous voulons qu'on acclame le Seigneur pour maman Dibi, maman Kadi, pour tout ce qu'elle fait pour nous. Et auprès de ces illustres personnalités, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dur pour que l'œuvre de Dieu avance. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour les ministres, les diacres et tous ceux qui occupent une responsabilité au niveau de l'Église et qui travaillent d'arrache-pied pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, d'habitude quand je viens, quand papa me fait la grâce et l'honneur d'être ici par ses invitations, habituellement, je viens seul. Mais aujourd'hui, dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous savez, le vendredi soir, pendant que je prêchais, quand un homme de Dieu prêche, il y a le Saint-Esprit qui est là. Et puis aussi, il y a le simple esprit. Dis à quelqu'un, Saint-Esprit, simple esprit. Cette fois-ci, ce n'était pas le Saint-Esprit que j'avais senti, mais j'avais senti la présence du simple esprit. Quelqu'un me dit Amen. Et ça a mis du carburant dans le moteur. Et j'ai véritablement, ça m'a remonté comme un CAC 1000, quoi. Elle est l'aspirine de mes fièvres. Elle est l'une des meilleures décisions de ma vie. C'est ma meilleure amie. Quand l'homme de Dieu ne pleure pas devant tout le monde, il pleure devant elle. Quand c'est compliqué et que personne ne peut voir la douleur, elle voit cette douleur. Et elle est le médecin par excellence qui pense. Elle a les mots justes pour me guérir quand je pleure. Elle a les mots justes pour m'encourager quand je veux m'arrêter. Elle est la source de motivation, cette personne qui me pousse à me consacrer pour que Dieu me bénisse un jour pour lui rendre gloire et honneur au travers de sa vie. Pour elle, je peux manquer de sommeil parce qu'elle a besoin de moi. Et parce que lorsque je suis aussi, j'ai besoin d'elle, elle est toujours présente. Bien-aimée, si je veux parler d'elle,
on finira la semaine que je n'aurai pas fini de faire ces éloges. Tant elle est importante pour moi, et si je sais prêcher, si je peux parler, et si j'ai une certaine allure, c'est aussi grâce à elle. Je veux bénir la vie pour cette épouse. Que dis-je, pour cette femme, pour cette moitié que Dieu m'a donnée. Je vous présente ma femme Elie Shama. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Merci d'être dans ma vie. Merci d'exister pour moi. Il y a plusieurs femmes, mais celle-ci a été mise à part pour moi. Elle est ma princesse, elle est ma parfaite. Elle paraît fragile, faible, mais elle est si forte qu'un buffle, parce qu'elle supporte l'insupportable. Elle va au-delà de la personne de l'homme de Dieu. Elle canalise, mais... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Toutes ces choses, en un seul mot, je t'aime. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, eh. Jésus m'a sauvé, alléluia. Salut, Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Sortez les mouchoirs. Alléluia. Hey, alléluia. Alléluia. Hey, alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Ah, 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 ah. De moi, oh, il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Je veux le louer. Alléluia. Oh. Oh. Jésus m'a sauvé. Allez, allez, alléluia. Alléluia.
seconde mort, ma vie est passée en Jésus. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. La seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point. La seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point. La seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie. On va louer un peu le Seigneur. Parce que dans la maison de Dieu, c'est la joie. Oublie un peu tes soucis. Comme un enfant, il faut danser. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Thank you.
Seigneur. Alléluia. Jésus est vivant, il est en toi, sois vivant. Jésus est vivant, il est en toi, alors sois vivant. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance pour confondre nos ennemis. Tu sais, l'une des manières de confondre ton ennemi, c'est quand c'est chaud, mais quand même tu loues le Seigneur. Que le monde n'arrive pas à te cerner, à te comprendre, parce que nous sommes de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre système de vie est différent, parce que le monde dit qu'il faut être triste quand c'est compliqué, mais notre Dieu dit qu'il faut commencer à louer quand c'est chaud. Ah, tu n'as pas compris. Notre Dieu dit, quand Paul et Silas étaient en prison, ils n'étaient pas tristes. Ils ont commencé à louer, quelque chose s'est passé. C'est quand tu n'as plus d'espoir que tu es triste. Mais nous avons quelqu'un qui est l'espoir, qui est encore, qui peut agir. Tu as un Dieu. Ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Tu as un Dieu qui est fort, capable, efficace. Ne te laisse pas abattre par les situations. Parce que ces situations viennent pour aiguiser ta foi. Oh, j'ai dit la situation vient pour aiguiser ta foi. S'il n'y a pas de situation, il n'y a pas Jésus. Parce que si nous sommes aujourd'hui église et que nous parlons de foi, nous parlons de salut, ce n'est pas Jésus. C'est pas quand Jésus. Il a dit que c'est pas Jésus a prié et puis il y a eu déblocage financier, c'est ça que l'église est venue. Jésus a prié et puis il a eu un voyage. C'est là, et, non, l'église est née dans le sang de quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. L'église n'est pas née dans un temps de joie. L'église est née dans la tribulation. Je veux dire à quelqu'un, même dans les problèmes, il y a une solution de gloire qui peut sortir. Il s'est vidé de son sang pour que toi tu sois là et moi que je sois là aujourd'hui. De cette situation chaotique, Dieu a suscité l'espoir. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce qui paraît être défavorable pour toi aujourd'hui va être utilisé par Dieu pour te rendre une personne meilleure. Quelqu'un me dit bien, amen, cela arrive au nom de Jésus-Christ. Demandez à ceux qui comptent les millions, qui comptent les milliards aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils étaient il y a quelques années en arrière. S'ils pouvaient imaginer ce qu'ils sont en train de devenir. Frère, quand l'Éternel visitait Israël, c'était comme dans un rêve. Je te vois en train de rendre témoignage comme si c'était dans un rêve. Ce n'est pas une question de connaissance. Tu ne connais personne au plateau, mais tu connais Jésus. Amen. Oh, je dis, tu ne connais personne au plateau, mais il y a Jésus qui est là. Alléluia. Le monsieur qui est malade depuis 38 ans, personne ne le connaît. Tout le monde l'a abandonné. Mais il y a un homme qui le connaissait, qui avait prévu un seul jour pour le faire sortir de là. J'ai dit, si le problème est venu un jour, ça va partir un jour. Si c'est venu un jour, ça partira un jour. Le Dieu que tu adores est le Dieu qui a tout programmé, qui a tout planifié de l'avance. Il ne vient jamais en retard, il est toujours à l'heure pour accomplir son plan. Qui a déjà vu? Les hommes font des plans et ils accomplissent le plan. Mais comment est-ce que Dieu va faire un plan avec toi et il ne peut pas achever le plan? Tu es le plan de Dieu qui sera achevé. Il faut dire à ton voisin, tu es en finition. Vous savez, une vie se construit. Une vie, il n'y a pas de vie prête à porter. On bâtit une vie. On prend le temps pour la bâtir, pour qu'elle soit solide. Le travail que tu cherches là, Dieu est en train de bâtir ça dans le spirituel d'abord. Certaines personnes ont échoué dans la vie parce que leur projet n'avait pas encore été fixé dans le monde spirituel. Et quand le premier vent arrive, il s'en va. Quelqu'un me dit bien amen. Je peux te parler ce matin? Ton amen là, ça veut dire beaucoup de choses. Tu dis amen ou bien tu dis tu m'emmèdes? Ça ressemble à tu m'emmèdes. Hein? Je suis heureux de te voir ce matin, peuple de Dieu. Bien aimé, ce matin, je crois que Dieu va nous faire du bien. Chante. Vous pouvez vous asseoir. Tout à l'heure, il y aura la deuxième mi-temps. Ah, c'est la première mi-temps. Alléluia. Quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu est bon. Alléluia. Bien-aimé, il est bon. Notre Dieu, il est bon. Le vendredi, nous avons eu un message puissant. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, allez sur la page de l'église pour revivre
Voilà. Pour le vivre. Moi-même, je me suis réécouté. J'ai trouvé que c'était du bon quand même. Alléluia. Et souvent, quand tu es dans le feu de l'action, tu ne sais même pas ce que tu dis, poussé par l'esprit. Et c'est après, tu te rends compte que, ah, d'accord. Bien-aimé, ce matin, j'ai un thème. J'ai une parole pour toi. Le thème, c'est « Tu es l'instrument de Dieu ». Dis à ton voisin, « Tu es l'instrument de Dieu ». Dieu se révèle à Moïse. Il dit à Moïse, je vais t'amener, tu vas retourner en Égypte. Là où tu as gâté là, tu vas retourner là-bas. Moïse dit, Dieu, toi-même tu sais ce que j'ai fait en Égypte. Tu me ramènes, pardon, il faut amener quelqu'un d'autre. Il dit, non, c'est toi l'instrument que j'ai choisi. Alléluia. Bien-aimé, là où on t'a rejeté, c'est là-bas que Dieu va t'élever encore. Là où on n'a pas vu ta valeur, là, Dieu va te façonner, tu retourneras là-bas une autre manière pour glorifier le Seigneur. Ceux qui n'ont pas cru en toi seront obligés de croire en toi parce que la deuxième dimension dans laquelle tu arrives là-bas, là, ce n'est pas la première dimension. Quelqu'un me dit amen. Et il va choisir cet homme. Mais ce qui me frappe, c'est que Moïse n'est pas un homme parfait. Pour que Moïse dise à quelqu'un, bonjour même là, c'est bon, bon, bon. Bon, bonjour. Un homme comme ça, il peut parler. Mais ce qui me frappe encore, c'est que Dieu ne guérit pas Moïse de son bégaiement. Il le laisse comme ça et il l'utilise comme ça. Dieu qui est intelligent, qui est sage, il a créé des hommes qui peuvent parler, qui peuvent facilement parler, qui sont éloquents, mais il choisit un homme qui a la parole difficile et il devient l'instrument de Dieu. Qui penses-tu que tu es pour que Dieu ne puisse pas t'utiliser? Qui t'a dit que tu es nu? Parce que dans le jardin d'Éden, Adam dit, quand Dieu lui a dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je suis nu. Dieu lui pose la question, qui t'a dit que tu es nu? Bien-aimé, tu te dévalorises quand tu commences à écouter ailleurs, en dehors de la parole de Dieu. Parce que Dieu est toujours venu dans le jardin pour parler à Adam. Il n'a jamais fui. Mais quand il a écouté le serpent, il s'est senti nu. Quand on commence à envier les autres, on pense que notre bénédiction dépend de ce que les autres ont. Si on n'a pas ce que les autres ont, c'est qu'on n'est pas homme aussi. Je suis venu te dire, tu iras au-delà de ce qu'ils ont. Parce que Dieu a réservé aussi quelque chose pour toi. N'écoute pas ce que les autres peuvent dire. Écoute ton cœur, parce que c'est dans ton cœur que Dieu siège. Et c'est avec ses paroles qu'il accomplit. Parce que Dieu est dans sa parole. Moïse n'est pas guéri du bégaiement. Mais ce que Moïse a fait, dans bégayer là, c'est dans bégayer là, il proclame, et puis la grêle descend. Dans bégayement là, l'autre se tranche en sang. Moïse le bégayeur a mis toute une nation à genoux. Moïse le bégayeur, Moïse l'homme imparfait, a rendu toute une nation, c'est-à-dire a fait pleurer toute une nation sous la puissance de l'onction. Bien aimé, quand tu regardes tes capacités humaines, c'est en cela que tu te limites. Mais il n'est pas question de toi. Dieu dit, avec ce défaut que tu as, avec l'onction que lui a, il va faire de toi un instrument puissant pour son œuvre et pour la moisson. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, tu es l'instrument de Dieu. Est-ce que le chrétien sait dans quelle époque nous nous trouvons? C'est parce que tu ne sais pas dans quelle époque nous nous trouvons que tu es encore léger avec l'évangile et avec les choses de Dieu. Nous sommes en train de partir allègrement vers la fin du monde. Le monde ne sera plus le même après coronavirus. Les choses se mettent en place. L'église a le devoir de se lever. Que les gens aillent dans les hameaux pour annoncer l'évangile parce que bientôt, Christ revient. Dieu a besoin d'instruments. Il a besoin de personnes pour confondre ce monde. C'est pourquoi je ne serais pas étonné que ces derniers temps, des DG de société sortent du bureau pour aller évangéliser. Je ne serais pas étonné
que des personnes qui sont aussi bien placées laissent leur travail pousser par l'esprit pour entrer dans les villages, dans les quartiers, pour parler de la part du Seigneur, parce que Dieu a besoin de vous. Vous savez, dans le ministère, il y a certaines personnes, Dieu négocie pour leur conversion. Je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, je vais entrer. Ça, c'est le niveau des petits-enfants. Mais quand Dieu a une grande destinée accomplie avec toi, c'est sans ta permission, il entre. Oh. J'ai dit, il entre et puis il te prend. Il y a des gens que Dieu va fracasser la porte. Parce qu'il le faut. Il leur parle il y a longtemps, mais ils savent ce que Dieu dit. Mais ils cherchent l'argent d'abord. Ils mettent leur projet devant. Oh, je te vois en train de pleurer. Une nuit, disant au Seigneur, fais de moi ce que tu veux, tu as gagné Jésus. Tu vas capituler. Parce que c'est Jésus qui gagne toujours. C'est lui qui t'a fait. Il connaît ton côté sensible. Ne vois-tu pas que l'affaire là, c'était presque arrivé à son terme. Tout était prêt, tout d'un coup c'est bloqué. Imagine-toi ce qui se passe derrière. Il y a des personnes, leur blocage ne vient pas du diable. Leur blocage vient du fait de refuser l'appel de Dieu. Je vais te rassurer. Il y a le jour où Dieu appelle et il y a le moment où il te dit, maintenant c'est le moment de me servir. Quand tu vas accepter l'appel, il va débloquer tes affaires. Il faut accepter seulement d'abord. Et de là où il t'appelle. Parce que quand tu appelles un enfant pour dire, viens, pas pour, viens. Quand il vient, c'est maintenant tu vas lui dire, maintenant c'est pourquoi tu l'as envoyé. Mais papou ne vient pas et puis en même temps il s'en va. Sans avoir reçu de commission. Mais seulement il faut que papou réponde à l'appel de papa. Donc tu dois répondre à l'appel pour dire, Seigneur, j'accepte. J'accepte. D'accord. Donc il te donne un petit temps. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand le moment arrive, il dit, bon, c'est que je t'appelle d'autres fois là. C'est maintenant je vais t'envoyer. Il faut aller à Londres. J'ai quelque chose à faire là-bas. Il t'envoie comme un instrument, comme un envoyé. Donc, n'aie pas peur de l'appel. Tu recevras l'appel. Mais le jour du départ, là, ça dépend de lui. Moi, quand, dans mes prédications, vous savez, si Dieu... je suis passionné de la mission. La mission. Voilà. Quand tu es au contact... Tu vis les actes des apôtres. Tu es au contact. Ma femme qui est là, elle sait de quoi il s'agit. Pour l'évangile, on a reçu tellement de coups. Mais la façon dont Dieu nous a délivrés, nous a fortifiés pour croire que Dieu existe. Je ne parle pas des sorciers du plateau, hein, les sorciers chocos là, hein. Je te parle de la sorcellerie brute, à l'état brut, qui n'est même pas encore passé encore à la... J'ai dit que... voilà. Un sorcier qui mange même cola. Et puis il vient dans son état brut et puis il commence à te maudire. Mais la plupart de ceux qui m'ont maudit, pour le Seigneur, à cause de l'œuvre de Dieu, aujourd'hui, soit tu es converti, soit tu n'es plus de ce monde. Je n'ai pas prié pour que tu meures, mais l'opposition... Soit c'est en soumission, ou bien sur le passage de la puissance. Parce que l'évangile n'est pas un discours persuasif, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que si l'évangile se base sur, tu sais, ne vole pas, recevez l'amour de Dieu. Et avec votre esprit... Ça, c'est vie chrétienne chorale. Ça, là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ça n'a rien de différent que les conseils que nos parents qui ne sont pas chrétiens nous donnent. C'est ce qu'on appelle le bon sens. Je parle d'une parole qui est accompagnée de puissance et d'autorité. Et je veux parler aussi aux jeunes. Vous êtes concernés parce que le résultat de ce que nous sommes aujourd'hui a débuté avec un enfant qui avait 12 ans. Dans le temple, en train de confondre les grands. Que Dieu vous mette en vous la puissance et les paroles pour confondre ceux qui se croient sages au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, si nous, on n'avait pas accepté l'appel, aujourd'hui, tu n'allais pas dire Amen. Pardon. Il faut accepter. Parce que tu es l'instrument de Dieu. Tu es la propriété privée du Seigneur.
Et il doit t'utiliser quand il veut et comme il veut. C'est pourquoi nous allons prendre la Bible dans le livre de Actes, chapitre 9. Acte 9, à partir du verset 1. Lisons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la considération qu'on a pour la parole de Dieu? S'il vous plaît. Oui. Acte chapitre 9. Oui. Cependant, Paul respirant encore la menace. Et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Oui. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel, oui, resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix. Mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Amen. Tu veux lire à partir du verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots de cet homme. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris tous les mots, oui, que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Voilà un homme qui a le pouvoir de lier même les chrétiens. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom, devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Je répète encore, je dis, le thème de mon message, c'est « Tu es l'instrument de Dieu ». L'homme de qui nous parlons ici est quelqu'un qui a une vie de meurtrier. Paul est un meurtrier et il ne tuait pas n'importe qui, il tuait les chrétiens. Son travail était de persécuter les enfants de Dieu. Son travail était d'empêcher le déroulement des cultes. Son travail était d'empêcher que des enfants de Dieu aillent adorer le Seigneur. Mais quand il le faisait aux enfants de Dieu, sur la route de Damas, Jésus va lui révéler qu'en le faisant à ses enfants, c'est à lui Jésus qui le faisait. Ça veut dire que Paul était en train de persécuter Jésus. Pourquoi Jésus le dit? Parce que Jésus se trouvait dans chaque chrétien qu'il persécutait. Je veux te dire que Christ est en toi. Oh. Jésus est venu dire à quelqu'un ce matin, tu parais peut-être insignifiant, mais le roi des rois est en toi. Toutes tes souffrances,
il vit ces moments avec toi. Il est plus proche de toi que ton vêtement. Il te comprend mieux plus que tous ceux qui sont autour de toi. Christ est en toi. Vous savez, il y a une histoire qui me fait rire dans la Bible. C'est que quand le vent commençait à souffler avec les disciples et que Jésus était couché dans la barque, les disciples ont osé penser que Jésus même étant dans la barque, ils allaient mourir. Il dit, maître, ne vois-tu pas que nous allons mourir et toi tu dors. Depuis quand Jésus meurt, avant son temps. Et il y a certains chrétiens qui pensent, malgré qu'ils ont Jésus, ils confessent Jésus, ils pensent que la situation va les tuer. Il ne te laissera pas couler. Tant que Christ est là, réveille-le seulement. Quand ils l'ont réveillé, il a calmé la tempête. Il faut le réveiller. Tu n'as qu'à le réveiller pour qu'il puisse accomplir pour toi de grandes choses. Parce qu'il y a certaines personnes, leur Jésus dort. Est-ce que vous le savez? Il y a certains chrétiens parmi nous, tu vois, leur Jésus qui les protège là. Tellement ils n'ont même pas égard à lui. Parce que la Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Quand nous prions, nous jeûnons, ça fait grossir notre Jésus. Mais maintenant, leur Jésus est tellement chétif. Parce qu'il ne mange pas. Un Jésus chétif. Et puis il est à distance parce qu'il ne peut même pas suivre le mouvement. De la même manière que tu te regardes dans le miroir le matin pour voir s'il y a un bouton ici. Et oh, pardon, il faut avoir un miroir spirituel pour te regarder aussi pour voir si Jésus est encore là. On est occupé à chercher l'argent, c'est bon. Mais. Il est important pour toi de savoir à quel niveau tu es avec ton Seigneur. Tu sais, quand tu as un véhicule, on ne roule pas voiture pour rouler. Arrivé seulement, il faut jauger pour voir le niveau de l'huile. Il faut faire certaines choses. Il faut l'entretenir. Bien aimé, Jésus a besoin d'entretien. Même s'il est Seigneur, il a besoin d'entretien. Et voici, Dieu se révèle à quelqu'un. La Bible dit qu'il respirait encore le maître. Il était content de ce qu'il faisait. Il avait fait de ça un ministère. Tuer les chrétiens, s'opposer aux chrétiens. Et il va prendre même des courriers pour qu'on lui donne le pouvoir de faire quoi? De faire du mal impunément aux enfants de Dieu. Mais tu peux le faire à tout le monde. Mais il y a une catégorie de chrétiens. Si tu arrives sur leur carrefour, tu vas prendre ta dose. Saul a fait ça partout. Mais il ne pouvait pas le faire à Damas. Parce qu'à Damas, il y avait Ananias. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Si en ce moment où je prêche, un esprit malin a pris la direction de ta maison, dans un but lugubre d'agir contre ta vie, je prophétise que la même lumière qui a brillé sur la route de Damas le frappe d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Que le sorcier qui veut atteindre ta vie soit frappé par cette même lumière au nom de Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Si quelqu'un a pris la direction de ta maison avec un mauvais dessein, qu'il soit confondu en route et qu'il n'atteigne pas son objectif au nom de Jésus-Christ. Vous savez, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, dans ce monde où on est là, tu as un ennemi. Et ça, tu peux le savoir au moins. Parce que Dieu même qui est au ciel, il a un ennemi. Et nous sommes à l'image de Dieu. Donc, on a un ennemi aussi. Regarde, si tu arrives dans un village, ministre, c'est-à-dire que tu partages sac de riz à tout le monde, tu ajoutes dessus 10 000. Il y en a qui vont estimer que eux, leur billet de 10 000 là, c'était ancien par rapport à l'autre que son billet de 10 000 est nouveau. Tu as eu un ennemi comme ça. Hein? Pourquoi moi mon billet là c'est un peu penché? Et puis lui, son billet est nouveau. C'est-à-dire qu'il ne voit pas là. Si tu veux, reste dans la maison, ne parle à personne. Même dans ton silence dans la maison, là, il y a un ennemi qui est là-bas. Alors, tu es d'accord avec moi ou pas? Non, je te le dis. Hein. Même quand tu ne provoques pas, tu seras provoqué. Même quand tu n'as pas envie de parler, quelqu'un va te faire parler. C'est dans ce monde-là nous sommes. Et puis nous, chrétiens, nous avons le don spirituel, l'art
de ronfler sur la route de Zikisso. Les côtes de Zikisso qui sont... Il a dit que... Et puis, ce n'est pas bonne voiture, c'est badjan. Il a dit que quand le chrétien dort à 4 heures du matin, là, quand tu vois le ronflement du moteur... Ça veut dire que pendant ce temps... Oh, la Bible dit, c'est pendant que nous dormons que l'ennemi vient semer dans notre sang l'ivraie. Ce n'est plus l'heure de dormir, frère. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Est-ce que tu as veillé et prié pour un sujet qui te tient à cœur un jour même? Personnellement. Sans que l'église ne te dise. Toi-même, tu te prives de sommeil pour un sujet qui te tient à cœur. Voilà la résolution. Voilà ce qu'on appelle une résolution. Frère, le sommeil est doux. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire le contraire. Si tu dis le contraire, c'est que toi, tu es un pécheur. Le sommeil a cette faculté. Je connais un cousin, tellement il aime dormir, il dort en riant. Dormir pour lui, c'est de l'art. Il y a des gens, quand ils dorment, quand ils regardent leur visage, ça donne envie de dormir. Mais je prie que tu ne sois parmi ces personnes. Parce que la majeure partie de ceux qui souffrent aujourd'hui, qui disent que Dieu n'existe pas, la majeure partie, c'est des paresseux. Il dit, ne soyez pas paresseux, mais au contraire, ayez du zèle. Le paresseux dit, il pleut, donc je vais me reposer un peu. Le paresseux dit, il fait nuit, peut-être qu'il y a un lion dehors. Le paresseux a toujours un prétexte pour ne pas travailler. Que la paresse te quitte au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un instrument de Dieu, tu dois être bouillant et chaud pour relever les défis au nom de Jésus. Le paresseux pose toujours la question, est-ce que je peux? Il n'a jamais essayé, mais il ne peut jamais. Que Dieu te soutienne. Le monsieur a le ministère de tuer les chrétiens et il prend plaisir à ça parce qu'il venait à peine de tuer Étienne. Mais bien aimé, tout le monde n'est pas Étienne. Il y a aussi des Ananias. Pourquoi est-ce que Dieu protège? Pourquoi est-ce que Dieu a tout fait pour ne pas que Paul ait accès à Damas pour aller attraper les chrétiens de là-bas? Parce que le leader de l'église à Damas était un homme qui avait une destinée, avait un plan avec le Seigneur. Bien aimé, tant que Dieu a sa main sur toi, tant que le plan de Dieu est en mouvement dans ta vie, je t'assure que les ennemis les plus coriaces vont tomber à tes pieds au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu protège ceux en quoi il a un intérêt. Est-ce que ta manière de vivre la vie chrétienne, est-ce que tu peux constater que Dieu a un intérêt en toi? Est-ce que tu as un projet? Est-ce que Dieu est ton partenaire? Est-ce que tu as un partenariat avec le Seigneur? Qu'est-ce qui peut amener Dieu à te protéger? Ce qui peut amener Dieu à te protéger, c'est le consensus, ce que vous avez dit en secret. Vous vous êtes dit quelque chose, il a oublié de te protéger pour que la chose là, vous pouvez la boucler là. Parce que c'est un partenariat, la vie chrétienne, c'est un partenariat pour accomplir de grandes choses, c'est un partenariat. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Il veut parler, mais il cherche une bouche. Il veut marcher, mais il cherche un pied. Il veut voir, il cherche un œil. Dieu cherche une personne avec qui il va se déplacer. Parce que Dieu est esprit, nous sommes sa chair. Dieu est esprit, nous sommes son corps. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu ce que nous font subir les Égyptiens. Mais toi Moïse, je t'envoie. Mais pourquoi Dieu lui-même, il ne descend pas directement au bâti? Il fait à ta la cour de la situation. Et puis il dit Moïse, tous les cas. Il dit, ah, le vieil, toi-même tu connais la situation. Il faut gérer. Il dit non. Moi je suis esprit, j'ai besoin de quelqu'un pour aller parler pour ma part. Dieu cherche un partenaire, un associé. Dieu cherche un instrument. Quand le peuple de Dieu se trouve devant la mer Rouge, pendant que le peuple a besoin d'un bateau, Dieu donne la solution dans un bâton. Le bâton espéré se trouve dans le bâton. Connais-tu Dieu? Sais-tu de quoi il est capable? Si Dieu utilise un bâton, et toi qui as son image. Si Dieu est capable de faire parler un âne,
à un faux prophète en faveur de ses enfants. Et toi, qui es-tu? Qui crois-tu que tu es? Je suis venu te dire que Dieu veut investir. Dieu a déjà investi en toi. Il veut récupérer maintenant les bénéfices. Son investissement, c'est la mort à la croix. Ce n'est pas gratuitement qu'il est mort. Il a investi en toi. Et le bénéfice, c'est ce que tu vas manifester pour lui. Dieu cherche un instrument. Les temps sont mauvais. Dieu veut racheter le temps. Il veut sauver le maximum d'âmes. Dieu sait que mon frère vient à l'église là. C'est un peu trop limité. Mais Dieu cherche des gens qui vont imposer son autorité. Qui vont manifester sa puissance, son autorité. Les endroits où on a pu installer l'église, c'était des endroits qui sont hostiles à l'évangile. On nous a fait la cartographie, la liste de tous les pasteurs qui ont fui de ce lieu et qui n'ont pas pu tenir. Quand tu vois la liste, tu as l'impression que c'est Fraternité Matin. Mais, bien aimé, même si tu manges chenille, il y a les chenilles, on ne mange pas. Il y en a là, quand tu manges dans ta bouche, tu te fais mal. Ça pique. Je déclare que tu sois un totem pour quelqu'un. J'ai dit, on peut faire à tout le monde, mais arriver sur toi là. J'ai dit que les conséquences sont immédiates, quoi. Pour qu'ils sachent qu'il a touché à quelqu'un à qui on ne doit pas toucher. Il y a une race de personnes qui activent la jalousie de Dieu. Pourquoi toi, tu es enfant de Dieu, on va te faire du mal et puis la personne, il n'y a pas de représailles. Dieu refuse ça sur ta vie. Le monsieur te fait du mal, oh. Il te fait du bien, oh. Il ne voit rien. Non, je refuse ça. Quand il te fait du mal, là, la nuit, là, il y a une visitation. Même quand on devait crucifier Jésus, la femme de Hérode a rêvé. Elle a fait cauchemar la nuit. Elle a dit, l'homme que vous voulez crucifier, là, voilà ce que Dieu m'a dit sur lui, oh. Les gens vont faire des songes à cause de toi. Il faut que les gens manquent de sommeil à cause de toi. Parce que le monsieur là, le directeur veut t'élever dans la société, mais il y a un monsieur au milieu là, qui toujours est en train de parler contre toi pour ne pas que tu puisses monter là. Il faut que celui-là, il fasse de bons cauchemars. Oh, je ne sais pas comment il va le dire. Parce que Dieu a besoin de ta promotion pour la moisson. Dieu a besoin de ton élévation pour la moisson. Ta vie ne t'appartient pas à toi-même. Tu es un programme de Dieu. Quiconque veut s'opposer à toi sera broyé comme un caterpillar. Je prophétise que tu avances parce que tu es l'instrument de Dieu. Vous savez, le monde nous fait croire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde et que c'est difficile. Mais le système de Dieu dit qu'il y en a assez pour tout le monde. Mais seulement qu'il y a des médiocres qui sont assis à des postes qu'ils ne méritent pas. Nos enfants ont des diplômes qu'ils méritent. Mais il y a des gens qui sont assis au plateau par connaissance. Nous prions qu'il y ait un vent dans cette nation pour les déloger au nom de Jésus et que ces places occupées illégalement soient occupées légalement au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas bon. Je dis bien amen. Ton diplôme que tu as là, il y a son bureau au plateau, mais il y a quelqu'un qui n'a pas ça qui est assis là-bas. Vous savez, quand il y a les mouvements dans un pays, souvent c'est à cause de ce genre de choses. Tu es un instrument de Dieu pour imposer l'autorité de Dieu. Et voici, il va dire, lorsque Paul arrive, la lumière l'enveloppe et il tombe. Pourquoi Paul est tombé? Parce que Paul était rempli de ténèbres et les ténèbres ne résistent pas à la lumière. Un homme qui est rempli de ténèbres, un homme qui est rempli de mauvaises pensées à ton égard, je le vois tomber sous le pouvoir de cette lumière que tu as au nom de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit le vendredi passé, je vois des gens, des patrons, des personnes que les gens seront obligés d'affecter à cause de toi. On sera obligé de les muter à cause de toi parce qu'ils n'arrêtent pas de vous persécuter. Je déclare ce mois de juillet jusqu'à la fin du mois d'août, ces deux mois ne passeront pas que tu rendras témoignage d'un changement radical au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre où Dieu prend le relais.
à partir du chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Mais quand on arrive au septième jour, c'est le temps du repos. Je te vois à partir de juillet, dans un temps de repos, pour un sujet de prière pour lequel tu luttes depuis fort longtemps. Quelqu'un me dit bien, même cela lui arrive. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, en Christ, nous ne venons pas en Christ pour souffrir seulement. Mais il nous a donné le pouvoir, pourquoi? Pour nous imposer. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. C'est une promesse qui nous accompagne. Mais il faut voir le chrétien. Pasteur, j'ai rêvé, j'ai vu un chat qui m'a fait clin d'œil. Mais il faut le chasser. La Bible n'a pas dit au pasteur, vous avez reçu le pouvoir. Il dit, quiconque croit a reçu le pouvoir. Un pouvoir ne se négocie pas. Quand on l'a, on l'exerce. Si tu as reçu le pouvoir, exerce-le. Sinon, tu peux avoir le pouvoir et te laisser malmener par des gens qui n'en ont pas. Parce que le diable est le maître des illusions. Te fait croire ce qui n'existe pas réellement. Il a osé proposer à Jésus ce qui appartenait déjà à Jésus. Tu es Satan, gros cœur. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout le royaume de la terre. Jésus dit, aïe, tu ne me connais pas ou bien? Tout ça, c'est pour moi. Et que tellement Satan, il est tellement mauvais, il oublie souvent qu'il y a un trou de mémoire. Alzheimer va tuer Satan. L'homme qui est devant toi, là, c'est Jésus. Il est la chair, il est le Dieu fait chair. Tu le connais. Mais tu lui dis, prosterne-toi devant moi pour que je te donne ce qui t'appartient. Et c'est ce que le diable fait à plusieurs chrétiens. Quand il sait qu'il y a des bénédictions qui sont pour toi, qui arrivent, il fait la photocopie et puis voilà la photocopie. La semaine où tu sens la pression du péché sur toi, si tu as résisté, la semaine qui va suivre, il y a un miracle qui arrive. Oui, je te dis la vérité. Parce qu'on l'appelle l'antéchrist. Il vient toujours antérieurement à Christ pour nous détourner de la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est comme dans les champs. Même au village, quand on plante manioc, il y a quelque chose qui pousse à côté de manioc, qui est comme manioc. C'est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire que ce qui se passe spirituellement, ça devient physique. Dans le champ de riz, il y a quelque chose qui ressemble à riz qui pousse à côté de riz. Je reconnais que la photocopie de Satan est très puissante. Il y a une photocopie qui photocopie tout. Mais il faut que tu aies le discernement pour reconnaître ce qui est de Dieu. C'est en ça que tu seras un instrument du Seigneur. Moi, je suis prophète, hein. Mais je vous dis, pardonnez, ne courez pas derrière les prophéties. Je l'ai dit le vendredi, je vais le répéter. Parce qu'un prophète n'est pas un prophétiseur, ce n'est pas un métier. Je te vois, je suis dans ton village. Et puis, ils mettent une musique bizarre derrière. Bang, 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 pour frapper sur les nerfs de l'ignorance des gens. Je suis le prophète des nations. Agbeyome, Agbadagba, Yaovi. Pour que les noms puissent impressionner les gens. Bien aimé, Jésus qu'on suit là, il était tellement simple que les gens même dormaient sur ses pieds. C'est pourquoi j'aime trop mon daddy. Aïe! Oh. Conférence de l'Ouest à main là. Tu veux pas? Quand le vieux fait sortir la phrase comme. Tu veux pas? C'est un modèle. C'est un modèle. Il y a des pères qui enfantent de qui tu sors, mais il y en a que Dieu te donne dans le parcours de ta vie. Moi et mon épouse, on témoigne toujours de ce qu'on a croyé cet homme à un moment très difficile de notre vie. C'était vraiment un rendez-vous divin. Parce qu'il a eu les paroles justes pour nous remonter. Hello, tu as fait la remarque. La première fois qu'on se croisait à la conférence de l'Ouest, à Gbélé, l'homme qui parlait là, c'est ma bouche qui parlait, maman. Ce que je venais de subir était trop terrible. L'église est cassée. Ils ont détruit mes instruments. Ils ont cassé ma maison. Ils ont brutalisé ma femme. Ils ont fait ceci, pas parce que j'ai péché, à cause de l'évangile.
J'avais mal au cœur. Je disais, ah Seigneur, pourquoi tu as permis ces choses? Dans mes questions, le révérend Bleu m'appelle et dit, je veux que tu viennes intervenir au niveau de l'église. C'est pourquoi c'est mon ami. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour le révérend Blé Dominique. Alléluia. C'est un frère, c'est un ami. Et quand je suis arrivé là, ce contact m'a redonné aujourd'hui de l'espoir. Il a été un instrument que Dieu a utilisé pour relever cette personne qui parle devant de toi aujourd'hui. S'il n'avait pas été là, je vous assure que peut-être que j'aurais succombé. Lorsque Ananias reçoit la révélation qu'il va aller prier pour quelqu'un qu'on appelle Saul, il dit Seigneur, c'est vrai, je te respecte, hein, mais l'homme pour qui j'aimerais prier là, il nous a trop tués. La semaine passée, c'est lui qui a tué Étienne. Souvent même, Dieu fait les choses, on dirait foutaise. Les gens, on est là, on dit, Seigneur, non, Jonas est mauvais. Jonas, là, c'est un faux type. Bien aimé, Jonas avait raison. Mais comme Jésus est Dieu, là, c'est pourquoi il s'est imposé. Il venait d'avoir guerre entre les Ninivites et Israël. Les gens de Ninive ont tué ils ont fait la guerre, ils ont tué les gens là-bas. Même les parents de Jonas sont morts dans cette guerre. Et Dieu après vient dire, ceux qui ont tué tes parents, va les évangéliser, ils vont être sauvés. Mets-toi à sa place. Non, on va te dire la vérité. Il dit, je préfère mourir que d'aller prêcher à ces hommes. Il monte dans un bateau. Dieu dit, mon frère, c'est moi, même l'eau même où tu es monté là-même, c'est une bassine, c'est devant moi. Il remue la bassine. Il remue la bassine. Il dit aux gens, le problème que vous avez là, c'est moi. Jetez-moi à l'eau seulement, ça va se calmer. L'instrument de Dieu était en train de fuir sa mission pour aller ailleurs. Dieu a le pouvoir et la capacité. Il te ramènera sur le chemin. Tu ne peux pas lui échapper. Tu reviendras de ton propre gré ou de force. Jésus aura toujours raison. Jonas, oh c'est moi l'Éternel qui te parle. Lève-toi Jonas et ne doute pas. Oui, c'est joli à entendre, mais il faut vivre l'action. En fait, il y a des choses qu'on vit aujourd'hui comme récitation. Mais mets-toi à la place de la personne. Les gens disent, quand l'ange a dit à Sarah que tu aurais un enfant, que Sarah a ri, et puis on lui a demandé, ah, mais pourquoi tu as ri? Elle dit, non, je ne veux pas. Quelqu'un lui a promis que tu vas avoir un enfant depuis qu'elle est jeune. Jamais enfant. Toutes les croisades, elle a participé. Les archibishops ont imposé les mains jusqu'à imposer le dos. Jamais enfant. C'est où elle a 90 ans là? C'est comme une moquerie. Elle a le droit de rire. C'est pourquoi ce rire-là n'a pas empêché Dieu d'agir dans sa vie. Parce que normalement, elle a menti. Parce que Dieu aussi comprend le côté humain. C'est pourquoi Jésus peut dire que si cette couple-là pouvait s'éloigner de moi, le côté humain avait commencé à agir. Mais Dieu ne regarde même pas ça. Il va te prendre. Malgré tes plaintes, il va t'utiliser. Tu as vu Job. Oh, je maudis le jour de ma naissance. Dieu dit oui, il faut finir de maudit là, il faut assumer. C'est le jour où il maudit, même la lucère devient encore très malin. Mais à la fin, il dit, oh, gloire à Dieu. Attends. Dieu même ne sait même. Parce qu'il y a des personnes, Dieu sait qu'ils sont des personnes bonnes, mais la situation est tellement étouffante, Dieu permet qu'ils se libèrent un peu. Si Dieu nous comprenait, si Dieu nous jugeait, comme les anges au ciel, personne ne serait vivant parmi nous. Il y a certaines choses que Dieu comprend parce qu'il sait que nous sommes hommes. Donc, ne te disqualifie pas pour ces choses. Parce que malgré ce que tu es, Dieu veut t'utiliser. Paul est meurtrier, oui. Paul aime faire le mal, oui. Mais derrière ce mal qu'il fait, Dieu veut l'utiliser.
Ananias reçoit la révélation qu'il va être un instrument pour sauver Paul. Mais il juge Paul selon l'apparence. Il juge Paul selon ses actes. Combien d'Ananias parmi nous, nous jugeons les autres? La maman a dit autrefois que non, Dieu a besoin des PD, il a besoin, il aime les... Et c'est la vérité. Quand tu évangélises, Jésus a triomphé, puis tu le vois venir comme ça. Mon frère, automatiquement, il dit que ta journée est gâtée. Tellement tu en as marre. Hé, mon ami, quand j'évangélise, toi, il faut quitter dedans. Quand on évangélise les hommes, là, toi, il faut quitter dedans. Combien d'Ananias n'ont pas jugé des futurs Paul? Combien d'Ananias ont classé des futurs Moïse? Combien d'Ananias ont classé des futurs Sarah, des personnes que Dieu allait utiliser, mais qui étaient encore dans l'ignorance? Je prophétise, Ananias, lève-toi, Paul a besoin de toi. Il dit, Seigneur, Paul, que tu vois là? Ah, c'est vrai, mais il allait pendre, hein? Quand il gifle là, Paul là, il a une onction spéciale. Je ne veux pas me faire gifler. Oh. Il dit, malgré les gifles, il faut avancer. Je vais informer quelqu'un. En réalité là, je vous dis la vérité. David là, il avait peur de Goliath. Vous ne savez pas ça? Il avait peur. C'est pourquoi il a enlevé le palabre entre lui et Goliath. Il l'a mis entre lui et puis Dieu. Il dit, moi Goliath, c'est le Dieu d'Israël que tu as insulté. Moi, je ne suis pas dedans. Oh. Quand Dieu a entendu, il dit, ouais. Il faut apprendre à mettre le combat entre tes ennemis et ton Dieu. Il faut apprendre à détourner le combat. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Parce que celui qui te fait du mal à ton Dieu. Celui qui te méprise, méprise ton Dieu. Et je prophétise, apprends à le confronter à ton Dieu. Il tombera. Tu veux lutter trop par tes propres forces, c'est pourquoi Dieu te régale. Mais le jour où tu vas dire, oh vieux père, affaire là c'est trop, grand frère, faut avancer. On l'a vu en Côte d'Ivoire ici. Les petits frères de John Pololo, ils vont au kiosque, ils mangent, ils se lèvent. On dit, mon frère, l'argent, il dit, tu me connais? Mon grand-père, c'est John Pololo, il dit, ah mon frère, tu veux manger encore pour le petit pois? Parce que celui qui est derrière lui là, quand il arrive, je suis venu te dire, qui est derrière toi? Oh, moi, l'homme qui est derrière moi là, quand je marche avec assurance. Il dit, j'ai une certaine démarche. On dit, mais il y a quoi encore? Il dit, laisse ça. Parce qu'il y a quelqu'un derrière moi. Je suis escorté. Partout où je vais, il est avec moi. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Oh, jusqu'à ce que je... Tant que je respire et que je vis sur la terre, je bénéficie de sa présence. Et tant qu'il est là, je suis dans l'assurance. Je refuse que ta vie chrétienne soit une vie chrétienne paralytique. Je refuse que tu aies une vie chrétienne chétive. Je prophétise que tu donnes envie aux gens d'être chrétiens par la manifestation de Dieu au travers de ta vie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, dans ce mois de juillet jusqu'au mois d'août, tu ne rateras pas ce contrat parce que Dieu va se lever dans ce contrat. Tu ne manqueras pas à ce boulot parce que Dieu se lèvera au nom de Jésus-Christ. Quelque chose est sur le point de se déclencher, mais Dieu a besoin de ton partenariat. Dieu a besoin de ton oui, de ton ok. Accepte! Quelqu'un me dit amen. La situation de Saul ne peut pas permettre à un homme qui n'est pas spirituel de croire que cette personne peut être utilisée un jour. L'homme sage ne juge pas selon ce qu'il voit. L'homme sage perçoit. Percevoir, c'est voir au-delà de ce qu'on voit. Et c'est pourquoi en tant que prédicateur ce matin, je ne te vois pas, je perçois derrière toi l'image et ce que Dieu a déjà destiné. Ce qu'il a fait hier avec ses hommes aussi simples, il le fera encore pour toi au nom de Jésus-Christ. Mais une chose me frappe, il y a des personnes comme Ananias, qui sont dans le peuple, qui ne sont pas connus. Parce que lorsqu'on finit de parler d'Ananias dans l'histoire de Saul,
on ne parlera plus de lui encore dans la Bible jusqu'à ce que l'histoire de la Bible finisse. Mais on se rend compte que Ananias a eu la capacité de transmettre le Saint-Esprit à Paul et à faire tomber les écailles des yeux de cet homme qui était devenu aveugle. Il y a des personnes comme Ananias dans ce peuple qui ont une puissance, que Dieu a investi d'un pouvoir. On peut les négliger, mais Dieu les connaît. On peut peut-être ne pas les prendre au sérieux, mais Dieu les connaît. Il peut ne pas parler, mais Dieu les connaît. Ils sont dotés d'un pouvoir, d'une capacité. Je veux dire à Dieu, ce matin, par ton esprit, nous voulons voir les Ananias. Même si la Bible ne continue pas l'histoire d'Ananias, après avoir intervenu dans la vie de Paul, ça ne veut pas dire que son histoire avec Dieu était terminée. Il a certainement continué son histoire, mais c'était un homme discret. Il y avait des disciples qui étaient vus, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas vus. Joseph d'Arimathée a intervenu au moment où Dieu avait destiné qu'il intervienne. Je suis venu dire à quelqu'un, n'envie personne, parce qu'il y a un temps, il y a une heure, il y a un instant où Dieu a réservé pour te révéler au monde, où Dieu a réservé pour te révéler aux autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise que cette heure arrive et que tu sois révélé. Quelqu'un me dit deux fois, amen, cela lui arrive. Dieu a besoin de ses instruments. Dieu a besoin d'hommes pour la mission. Dieu a besoin de parler. Il cherche des hommes. Il cherche des femmes. Où êtes-vous, Ananias? Où êtes-vous, Saul? Dieu te cherche. Ça ne dépend pas de ton âge. On a vu des vieillards être utilisés par Dieu. Ça ne dépend pas de ton âge. On a vu des enfants être utilisés par Dieu. Des adolescents être utilisés par Dieu. Le plus important pour Dieu, c'est le OK. C'est le désir, c'est la volonté. Dieu est prêt à t'utiliser comme tu es, là où tu es. Je veux dire à quelqu'un, la manière dont quelqu'un sert est l'image de la manière dont il a rencontré le Seigneur. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas croisé Jésus sur la route de Damas. Il y en a qui ont été évangélisés à cause du pain multiplié. Les disciples du pain. Il ne faut pas t'amuser les disciples du pain. Hein? Le jour où le pain est multiplié. Et tu vois, t'as la cour. C'est eux qui ont créé la chanson. Jésus est puissant, oh, ça ne ment pas, il est puissant. Oh, ah. Mais le jour où le pain manque et qu'on accuse Jésus, crucifiez-le! Bien aimé, donner à manger à quelqu'un ne garantit pas sa reconnaissance. Faire sortir quelqu'un de la misère ne garantit pas votre amitié. Les voix des hommes sont insondables même. Je veux que tu regardes à Dieu. Parce que quelqu'un est découragé, parce qu'il a été un instrument pour aider quelqu'un et la personne n'a pas été reconnaissante et jusque-là tu as baissé les bras. Ne le regarde pas, regarde à ton Dieu. Parce qu'il y a un homme qu'on appelait Mardochée qui a sauvé le roi mais qui n'a pas été récompensé. Ah, Mardochée sauve le roi et il est encore dans la poussière. Il dort sur sac devant le palais. Combien de personnes aujourd'hui, par la méchanceté des hommes, sont à une position où ils ne doivent pas être. Et la nuit où le roi manque de sommeil pour se souvenir de Mardochée, Dieu va nous révéler en réalité qui a été toujours contre Mardochée. Aman le sorcier. C'est la nuit où Dieu décide de se souvenir de Mardochée. C'est cette même nuit-là que lui vient rendre visite au roi pour annoncer que Mardochée doit mourir. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Il y a eu plusieurs nuits, mais le jour de Mardochée là, c'est là que le diable va s'inviter. Il y a des amandes autour de nous. Parce que je veux dire à quelqu'un, il te faut une certaine dose d'onction pour passer à un niveau supérieur. Même Jésus-même n'a pas été épargné. Pour passer de l'autre bord, un vent s'est opposé à son bateau. Alors, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Le niveau où tu veux arriver là, ce n'est pas en dormant que tu vas arriver là-bas.
Est-ce que les esprits qui s'opposaient à toi, à ce niveau où tu es là, ne seront pas les mêmes esprits qui s'opposeront à toi au niveau où tu veux arriver? À chaque niveau, il y a une forteresse. C'est pourquoi, pour que tu deviennes ce que tu dois devenir, ne sois plus la même personne que tu as été. Deviens une autre personne pour devenir une autre personne. Est-ce que je me fais comprendre? Tu me fais comprendre? Tu ne peux pas être naturel pour bénéficier du surnaturel. C'est ce que je veux dire. Pourtant, il y a elle dit qu'il y a un stock illimité de miracles, d'exploits, de choses que Dieu veut accomplir ces derniers temps. Parce que quand on va arriver au ciel, là-bas, là, on n'a plus besoin de miracles. Guérison des malades, là, c'est ici. Débloquer des situations, là, c'est ici. Le monde a besoin de voir ça pour croire à notre Dieu. Vous pensez que Dieu est aussi méchant pour ne pas faire? Non, il y a des personnes qui ne sont pas disposées à composer avec le Seigneur. Sinon, Dieu est prêt à renverser les forteresses. Et la Bible dit que lorsque Ananias va accepter, il va aller et il va dire à Paul, Dieu m'envoie pour prier pour toi. Et la Bible dit quand il va lui imposer les mains, les écailles vont tomber des yeux de Paul. Et il va recevoir le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que tous les miracles qui vont s'accomplir dans la vie de Paul durant tout son ministère, la source, c'est un inconnu. C'est quelqu'un qui n'a pas connu, qui n'était pas parmi les foules. C'est Ananias qui lui a communiqué cette onction. C'est pourquoi je veux parler à nous, la jeune génération. Pas parce que nous prions pour chasser maux de tête qu'on est devenu, on est devenu tellement loin qu'on va supplanter nos pères. Je dis, quand papa dit bien ici là, moi je ne suis pas homme de Dieu, je suis manœuvre. La vérité, quand il, dans sa présence là, moi je ne connais pas Dieu. C'est lui qui va me montrer Dieu. S'il me donne le micro pour prêcher, c'est un privilège. Mais tant que Moïse est là, Josué ne peut jamais prétendre connaître Dieu. La société est en pleine décadence. L'église est en pleine décadence. Faute de paix. Combien de jeunes leaders russes sont sortis de certaines églises par rébellion? Parce qu'ils refusent de se soumettre. Parce qu'ils ont envie de se faire voir aussi. Ils veulent porter des costumes. Être dans de grosses voitures. Pourquoi on l'appelle aussi? Pourquoi on l'appelle papa? Bien aimé papa là. C'est une responsabilité. C'est pas un effet de mode. Celui qui n'a pas de père, tu n'auras pas un nom dans la société. Quand tu arrives quelque part, on te demande comment tu t'appelles, ça veut dire en réalité qui est ton père. Quand David a fait l'exploit de tuer Goliath, on lui a demandé de qui est-il fils. On ne s'est pas intéressé à David d'abord. Parce qu'on s'est dit que ce qu'il a fait là, il doit fortement sortir de quelqu'un. Ce que tu veux devenir là, il y a des choses que Dieu te donnera directement du ciel. Mais il y en a d'autres que Dieu a mis dans ton père. Que Dieu ne va jamais. C'est-à-dire que tant que tu ne composes pas avec lui, tu ne pourras pas recevoir ça. C'est pourquoi je veux dire au Saul, au Paul de cette génération, même si ton père spirituel n'est pas connu, qui s'appelle Ananias, tu peux avoir 1000 maîtres, mais un seul père. Servir Dieu, d'être un instrument pour Dieu, un appelé doit d'abord être un instrument pour un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, l'appelé, est comme une machette qu'on vient acheter au marché. Elle n'est jamais aiguisée. On la donne à quelqu'un d'autre qui l'aiguise. Le don que tu vas recevoir, ce que tu vas devenir, Dieu a mis ce pouvoir-là dans la main d'un homme de Dieu qui va t'aiguiser, te donner cette allure que tu dois avoir pour aller dans la mission. Donc le père spirituel de Paul le Grand qui a bouleversé le monde entier, c'est qui? C'est Ananias. Ananias l'inconnu. Ananias, on n'a parlé de lui seulement que dans un seul chapitre de la Bible. Mais regardez l'effet que sa prière a fait dans la vie de cet homme.
il a bouleversé l'humanité. Bien aimé, il y a des pères qui préfèrent ne pas être connus, mais ils veulent travailler pour faire connaître leurs fils. Ils ont besoin de fils obéissants, dociles. Bien aimé, moi, tu es bénéficié de l'amour du père. Un matin, mon téléphone sonne. Allô? Oui. Quand j'étais, c'est papa qui dit bien. Hé, papa. Parce que même au téléphone, même s'il peut me mettre à genoux, j'ai dit oui, il le vient. Frère, c'est un privilège. Quand tu vois son parcours, dit, les choses qui font qu'on devient grand, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'autorité. C'est les petits mots qu'on néglige, c'est l'obéissance, la soumission, être serviable. C'est ce qui ouvre le cœur des gens. La sagesse ne fait pas de bruit. Or, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est servir son serviteur d'abord. Allô? Oui, parce que, bon, je suis quelque part là, vraiment. Je devais aller au Mali, mais est-ce que tu peux aller au Mali à ma place? J'ai dit, waouh, quel privilège. Et par son seul coup de fil, je suis arrivé au Mali. Et là-bas, tu as fait des choses extraordinaires avec chez maman Traoré. Elle appelle le vieux dit, ah, l'homme que tu m'as envoyé, c'est là, vraiment. Elle dit, maman, je travaille sous le manteau de celui qui m'a envoyé. Oh. C'est lui qui m'a envoyé là. Je viens avec son mandat. Et je suis allé en car. Vous savez combien de kilomètres ça fait? Elle dit que tu roules dans la voiture quand tu as l'impression que tu es parti aux extrémités de la terre. Voiture roule, oh, voiture roule. J'ai dit, ah, j'ai demandé mon frère, on n'est pas encore arrivé, on n'a même pas encore fait la moitié. J'ai dit, et puis en même temps, il a commencé à parler, il dit, Santa Bayakuru Sakababa. En même temps, j'ai dit, dès qu'on dépasse la frontière pour rentrer au Mali, il y a un esprit qui me dit, djihadiste, j'ai dit, ouh, Masakayon, j'avais oublié ça. Donc, à chaque fois que le cas freine, je regarde au dehors, je dis, qu'est-ce qui se passe, frère? Mais pour le Seigneur, j'ai accepté de partir quelque part où je ne suis jamais parti. C'était un risque, mais je savais que Dieu était avec moi. Arrivé là-bas, pendant que je prêchais, le Dieu de miracles, il est puissant, il agit dans mon esprit là. Il y a un esprit qui me dit, tu as fait 2 jours de route encore au retour. Ça me freine un peu. Tais-toi, Satan. Hey, le Dieu. Le dernier jour, j'ai fait mes affaires. Je suis devenu anxieux maintenant. Dit, avec tout ce qui s'est passé pendant une semaine, je suis fatigué. J'ai fait ma prière dans la maison. Seigneur, fais-moi grâce. Je sors, on m'appelle. Parce que tu as une pédanté là, où est ton passeport? Il dit oui, d'accord. Dieu t'a fait grâce, il y a quelqu'un qui paye ton billet d'avion. Ce qui va se passer à l'aéroport du Mali là, c'est Dieu seul qui a provoqué. Et regarde comment je tire le sang. Non, il dit si je dois faire malin, c'est en Jésus. Le vieux. On va maler dans Maki maintenant. Elle arrive à l'aéroport. Les formalités. J'arrive là-bas. C'est le privilège du ministère. Il y a des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ne sont jamais montées dans l'avion. Donc, au moment où Dieu me mettait dans l'avion, là, j'étais encore dans un village à Dakouple. J'ai cru en l'histoire de David. Te prendre derrière les moutons. À nuit, ce jour, ta vie peut changer. Et je serai reconnaissant à cet homme toute ma vie pour ça. C'est une marque de confiance. Il venait à peine de me connaître. Je pouvais aller gâter là-bas. Je pouvais aller là-bas prêcher pour dire, oh, voici la soeur de Marie qui s'appelle Madeleine. Et l'homme que tu nous as envoyé ici, là, il fait des bêtises. Il ne me connaissait pas encore. Mais il a eu confiance en moi. Il fallait que je prouve que j'ai un père. Quand je parlais en son nom. Oui, alors, c'est faux. Tu ne connais pas bien quelqu'un et puis tu l'envoies quelque part en ton nom.
Et puis il arrive, il dit, oh, quand je te parle, je te parle. Bien-aimé, prions le Seigneur. Il dit, mais il a dit quoi? Alléluia. Mais il a cru en moi. Il fallait que j'investisse, que ce qu'il a investi, la confiance est un investissement. La confiance est un investissement. Et tu dois faire honneur à celui qui te fait confiance. C'est des choses qui sont rares, mais qui sont puissantes. Faire confiance aujourd'hui de nos jours, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Quand je venais ici, avec mon épouse, avant-hier, ce que je vais vous dire en riant là, ça ne faisait pas rire. On prend le taxi. Je vous dis bien, on prend le... Non, répondez-moi. On prend le... L'instrument de Dieu vient pour le travail du Seigneur. Dieu le mandate. Va bénir le peuple. Satan va s'opposer. Imaginez-vous, en pleine autoroute, le moteur du taxi se coupe. Attends, je t'ai dit, en pleine autoroute, le moteur se coupe, tu ne dis pas... Ça veut dire qu'il y a un véhicule derrière nous. Ça veut dire que nous sommes dans la circulation. Mais si derrière toi, c'est un gros camion. Bon, je ne veux pas imaginer le film. Mais le seul problème, c'est que si j'étais seul dans le véhicule, il n'y a pas de problème. Mais j'étais avec la rosée du matin. J'ai dit, mais attends, Satan, il veut faire quoi? Je regarde, elle est assise derrière. C'est qui va me faire du mal maintenant? On voit de loin venir un gros camion à vive allure. J'ai dit, mais Satan, mais tu es mauvais. Tu veux faire couler la sueur à un oint de Dieu? En pleine autoroute, on est au milieu. Et j'ai dit au chauffeur, chauffeur, quel est le problème? Il dit non, c'est démarrage là. J'ai dit mon ami, démarrage haut, pas démarrage haut, pardon, débrouille, on va quitter ici. Je peux le dire en riant, mais votre serviteur était déjà arrivé à Angré. C'est son corps qui était sur la route là-bas. Bien aimé, le courage n'est pas l'absence de peur. Tu as peur, mais tu es là quand même. Et comme j'avais une mission à accomplir, étant un instrument de Dieu, Dieu était obligé de me protéger. Quand tu es un instrument et que tu as un, je peux dire qu'il y a un consensus entre toi et Dieu. Les circonstances ne prennent pas le dessus. Tu vas toujours supporter au nom de Jésus. Vous savez, dans ma vie, comme Paul, la volonté de Paul, le projet de Paul, c'est d'aller faire du mal aux gens. Combien de personnes parmi vous ici ont des projets pour leur vie? Combien d'élèves, combien de personnes aujourd'hui veulent devenir ingénieurs, pilotes et autres? Ce projet-là, si ce n'est pas la volonté de Dieu, un matin, comme Paul, une lumière va te frapper, tu vas tomber. Dieu va détourner la vision en sa vision. Moi, mon objectif dans la vie, c'était de devenir footballeur. Bien aimé, je jouais bien au ballon. Deuxièmement, je voulais chanter. Et troisièmement, c'est quand je vais vous dire, vous allez vous étonner. Je voulais être humoriste. Oui. Je voulais le faire. Mais je peux vous faire un spectacle humoristique en Jésus. Et toute la nuit, tu ne dormiras pas. Ce talent, il est en moi. Mais Dieu a mis ça de côté. Et il dit, ce projet-là, ça c'est ton projet. Mais moi, j'ai un projet pour toi. Et j'ai mis ce projet de côté. Ça n'a pas été facile. Frère, j'ai lutté avec lui. Mais comme Jacob, l'ange m'a frappé. Même si tu dois servir Dieu en te penchant, Dieu préfère un homme qui peut pencher pour le servir qu'un homme droit qui va aller en enfer. Je prophétise au nom de Jésus sur ta vie que le projet de Dieu est le meilleur pour toi. Ce n'est pas ton titre, ce n'est pas ton compte en banque qui va garantir ce que tu veux devenir. Ce que tu veux devenir, tu peux le devenir selon le plan de Dieu.
Dieu cherche un homme. Et il dit, qui enverrai-je? Et il a dit, j'ai trouvé David mon serviteur et je l'ai oint d'une huile sainte. Est-ce que Dieu peut dire aujourd'hui qu'il t'a trouvé? Dieu te cherche. Dieu a besoin de toi. Le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre a besoin de toi. Ne trouve pas cela comme un privilège. Ne trouve pas cela comme une importance que Dieu te donne, la valeur que Dieu te donne. Je souhaite que tu acceptes ce privilège. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de servir le roi. Même quand on dit de venir faire offrande, tu dois venir avec honneur parce que tout le monde ne donne pas au roi. C'est un privilège de donner au roi. Quand tu as une responsabilité au niveau de la maison de Dieu, il faut le faire avec beaucoup d'engagement parce que c'est un privilège d'être au service du roi. Sois un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Sois des instruments efficaces entre les mains du Seigneur. Comme Paul, comme Moïse, comme ces personnes que la nature avait limité, soit physiquement, soit spirituellement, soit socialement, mais ces barrières n'ont pas été un frein à l'amour de Dieu pour eux, à la manifestation de Dieu pour eux. Ce que tu vis aujourd'hui ne peut pas être un frein au plan de Dieu pour ta vie. Je veux t'appeler et t'amener à dire, d'accord Seigneur, je veux être un partenaire avec toi dans ce ministère, dans cette œuvre. Il y a certaines personnes qui vivent des situations compliquées que vous allez retrouver demain ou après-demain en train de servir Dieu. Parce que le seul sujet pour lequel ils souffrent, c'est que Dieu les appelle et ils résistent. Que la grâce de Dieu soit sur les instruments du Seigneur. Et que sa faveur soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a retenu ce message, qu'il acclame fortement le Seigneur. Il acclame fortement le Seigneur.
orphelins qui souffrent, qui ont besoin de moi. Saint-Esprit, viens, oh, et remplis ma vie. Il y a des personnes qui sont liées par la drogue, la prostitution, qui ont besoin de moi, Seigneur. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh, 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 oh. Ça va aller. Oh, 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 oh. Saint-Esprit, viens. Ça va aller. Et remplis ma vie. Ça va aller. Tu es la guérison. Il y a des veuves, toi tu es le consolateur. Saint-Esprit, viens, oh, et remplis ma vie. Les enfants de la rue ont besoin de l'évangile. Les sorciers, les mystiques, quelles que soient les situations, Saint-Esprit, viens. Remplis ma vie. Tu vas élever la voix et tu vas dire à Dieu, je veux être ton instrument. À la lumière de ce que j'ai entendu, viens par ton esprit, viens prendre place à moi, viens activer mes dons, viens activer mes capacités pour que je sois efficace dans les cœurs de tes mains. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Je veux entendre quelqu'un prier. Je veux entendre quelqu'un prier. Se livre entre les mains du Seigneur. Je veux qu'un instrument de Dieu se livre entre les mains du Seigneur. Je veux t'adorer. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Comme Ananias veut toucher des personnes maintenant. Dans mon esprit, il y a des dons qui dorment dans la vie. Il y a un potentiel qui dort dans la vie de quelqu'un. Que Dieu maintenant veut, au contact de l'esprit, veut déclencher dans la vie de quelqu'un pour faire des exploits avec lui. S'il y a des commandos dans la salle, je prie qu'il y ait des personnes qui soient disposées. En quelques minutes, nous allons permettre à l'Esprit de Dieu, dans sa présence, de visiter nos vies. Pendant que tu es là dans ton cœur, les yeux fermés, les mains levées vers le Seigneur, aspire à recevoir ce don. Il dit aspirez au don. Aspirez au don. Ayez le désir d'avoir ces dons. Ils sont nécessaires pour une vie chrétienne victorieuse et glorieuse. Ces dons sont nécessaires. Je vois une intercesseuse. Je vois les intercesseurs. Je vois les personnes que Dieu appelle à l'intercession. Des gens qui parlent, mais jusqu'à présent qui se négligent. Comme une colonne de feu, l'Esprit a commencé son œuvre. Les servantes et les serviteurs, les instruments et les personnes que Dieu s'est réservées, Saint-Esprit, nous voulons les voir. Saint-Esprit, nous voulons les voir. Esprit de Dieu, nous voulons les voir. Tous
tous les, et que chacun soit convaincu maintenant. Que chacun sache et soit convaincu d'être un instrument que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, 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 oh. Je suis en train de parler à une catégorie de personnes. Tu as prié pour un sujet il y a longtemps, mais c'est un sujet d'ordre financier. Le Seigneur me dit dans cette atmosphère où Dieu se lève dans ce septième mois, c'est pas demandé à tout le monde. Je veux qu'on envoie un panier. Tu as un sujet. Tu vas venir au nom de ce sujet, dans cette atmosphère, faire une semence. Pour ce mois de juillet,
tu vas venir faire une semence pour que le Dieu qui prend le relais le septième jour prenne le relais dans ce sujet au nom de Jésus-Christ. Pour que d'ici la fin du mois de juillet ou la fin du mois d'août, que quelque chose se produise dans tes finances. Je veux quelqu'un, on m'envoie, s'il y a une huile d'onction, tu viens quand tu fais ton offrande, tu mets dedans, juste tu pries. Et tu t'en vas t'asseoir. Pour celui qui a un sujet d'ordre financier, d'un déblocage, de quelque chose qu'il veut voir, d'une ouverture, viens semer dans cette atmosphère. Seigneur, j'ai reçu et je libère conformément à ta révélation que toute personne concernée à ce sujet expérimente le Dieu du surnaturel. Le Dieu qui ouvre les portes de manière surnaturelle. Parce que la moisson a besoin de moyens. La moisson a besoin d'hommes forts financiers. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Allons vite, s'il vous plaît.
un chant de louange. En une minute. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai. Je te sacrifierai. Je te sacrifierai à jamais. Je te servirai.